人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。Donc voilà, second jour pour le Japon. Donc cette fois-ci, je vais aller à Shinjuku, comme promis, pour aller au cinéma et faire le quartier Capcom Bar, Kabukicho, tout ça, reconnu pour avoir pas mal de hôtesses à bar. C'est le quartier de City Center, hein, donc si vous vous souvenez. Voilà, donc j'ai prévu aussi de faire une petite salle d'arcade, me détendre un petit peu, jouer un petit peu, avec les pièces qui bougent et tout ça, ou essayer de gagner une petite figurine. J'essaie de dépenser le moins possible. Donc là, cette fois-ci, j'ai la chance d'être à côté de la Asakusa Line et Oedo Line. Oedo Line m'amène directement à Shinjuku. Donc on va prendre celle-ci. Et j'avais oublié de mentionner, c'est vrai que lors de mon voyage, ça m'avait un petit peu perturbé, moi, cette année. En fait, ce qu'il faut savoir, dans les immeubles, les appartements, ou les centres commerciaux, il n'y a pas d'étage zéro. L'étage 0, en fait, c'est l'étage 1. Et si vous voulez aller au rez-de-chaussée, par exemple, bah, c'est B1, B2. Enfin voilà, s'il n'y a pas d'étage 0, c'est des petits trucs à savoir comme ça. Ça vous permet d'avoir plein de petites anecdotes pour le Japon. Et moi, je vous dis à tout de suite pour Shinjuku. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。切れてるメラ全く悪くねえ奴らにジェラ武蔵野ならか大勢キズナではねえしないぜキスは今夜もラブとピースヒップホップ次でもないぜディース最高の夜は終わらねえほらかいみんなに教えてやれ OK 武蔵野は今日もラブ and peace ヒップホップヒップホップラブとビーツ着物座った仲間との友情詫びじゃないぜ俺たちの愛情サッサバよりも情に熱い笑いねくらいに冗談きつい兄弟たちの武蔵野サシの男たちそしてケラが仲間と乾杯、yeah! 俺はいいよただ見ていてんだ、うん、いつも通りまたいつものメンバー、yeah!この街を愛し代表してんだ教えてやれよここが OK ここが武蔵野平和と愛と仲間が溢れていこのストーリー一夜のストーリーお前の胸ぐら掴んで一気に突っ走るぜ東京に火がついた消火器は消せないファイヤー火が
暑いの東京逃げ場はないんだ。ビルの片隅街の裏通り仲間すぐに集まれるからくり à la tour de Tokyo, l'office du gouvernement, je m'étais trompé, hein, c'est pas l'hôtel de ville. Donc l'office du gouvernement propose donc deux grands observatoires, sud et nord. Donc là je suis juste dans le sud, toutes ces images que vous venez de voir sont celles du sud, donc je vais éviter de me mettre derrière et tout, mais donc voilà, vous avez pu constater à quel point déjà le Japon c'est magnifique. Surtout vu de petit, mais surtout comment c'est grand. C'est grand, c'est magnifique. Et Shinjuku, vous avez pu le voir aussi avec donc, mon montage, ce qui m'a le plus appris dans cette ville. Donc je suis retourné dans mon premier hôtel, hein, le Shinjuku Washington Hotel. Mais aussi, c'est surtout ce qui me marque avec Shinjuku, hein, vous le voyez bien, c'est que c'est un petit peu le quartier des plaisirs. Surtout le soir, il y a des bowling, des pachinko, il y en a beaucoup. Hein, si vous voulez faire ça, des soirs de nuit, des karaokés. Allez à Shinjuku, préférez vraiment le quartier de Shinjuku. Il y a aussi, bien entendu, le quartier de Kabukicho où il y a des plaisirs plutôt de très tard la soirée, interdit au moins de 18 ans. Mais voilà, ce qui m'a aussi beaucoup plu à Shinjuku, autre que les lieux de plaisir, qu'un lieu de plaisir pour s'amuser vraiment, c'est que en fait, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça, mais je pense que l'architecture de Shinjuku est sûrement la meilleure. On voit bien, tous les bâtiments sont tous différents et originaux. Et ça fait que cette ville est vraiment hétérogène et on s'y retrouve très très vite juste avec la forme des immeubles. Donc voilà, c'est vraiment, je recommande vivement de faire Tokyo et les observatoires du gouvernement, de l'immeuble du gouvernement. Ça vous aura vraiment une petite idée de ce qu'est Tokyo et voilà, ce sera juste magnifique à voir. Allez, je vous dis salut, je vais aller prendre un petit déjeuner. Allez, salut!
donc voilà, donc je viens de finir de manger dans ce petit restaurant là, voilà, sympathique, je voulais essayer. Pas de bol, je suis tombé sur ce restaurant où il n'y a qu'un seul plat sans porc. Donc voilà, donc j'ai mangé du poulet teriyaki pour la seconde fois depuis ce voyage. Bon, vous me direz, le poulet teriyaki c'était bon, donc c'était une sorte de bento, riz, sous miso, petite entrée et poulet. J'ai pris une petite bière aussi parce qu'il fait tellement chaud, voilà. Et je m'en suis tiré pour 7 euros, et c'est surtout la bière qui coûtait cher, hein, parce que le plat en lui-même, c'est que 650 yens, donc dans les 5 euros. La bière, c'est 2,50 euros, donc voilà, donc je m'en suis tiré à peu près 7-8 euros. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de Club Seiya. Donc je vais m'amuser un petit peu, me détendre, je vais essayer de dépenser pour le moins possible, je dirais 8000 yens. Donc voilà, je me suis arrêté à un Family Mart juste pour voir un petit coca parce que c'est extrêmement chaud. Je sais pas quel température on a, mais je dirais au moins la trentaine parce que ça reste très épuisant. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver la ville de mes souvenirs. Mais le premier Family Mart que j'avais visité n'existe plus, donc c'est un petit peu triste. Donc voilà, et donc je voulais manger un petit coup là-bas. Le 270 yens auquel j'avais mangé la première fois. Lui aussi ne fait que des déjeuners, donc j'ai dû en fait manger le soir là-bas. Et voilà, j'ai voulu me faire plaisir, donc au Club Sega, j'y ai joué un petit peu, donc j'y ai joué pour à peu près 6700 yens. Donc j'ai joué à Mario Kart où j'ai fini premier. Voilà, je vous ai montré quelques petites vidéos normalement. Et donc voilà, j'ai gagné cette figurine. Donc voilà, il faut que j'essaie de gagner une figurine avec un personnage qui s'appelle Lévi, comme moi, enfin comme ma mère. Donc, je sais pas pourquoi, elle m'a tapé dans l'œil, même si je suis pas un grand fan de l'Attaque des Titans, j'aime bien le manga, j'ai pas trop vu l'animé, donc voilà. Mais voilà, je voulais la gagner, avec Kabbalah j'avais déjà essayé de la gagner, bon, je voulais pas trop dépenser mon argent dans les bandes d'arcade, là cette fois-ci je me suis dit, bon, je me fais une petite après-midi comme ça. Là, je vais aller au cinéma. Alors si du coup c'est vraiment illuminé le soir, c'est vraiment la ville qui ne dort pas, hein. Franchement il y a toujours de l'animation. Donc, je viens de voir un film, j'ai eu de la chance, le nouveau film de Sonotion, un de mes réalisateurs favoris, et un film d'action musical. Donc en fait c'est des gens qui rappent et qui s'affrontent en faisant du strip hip-hop. Voilà, donc c'est vraiment très très fun, c'est vraiment très rigolo. Et il n'y avait pas grand chose à comprendre, donc ça allait très très vite. Avec un gars qui décide d'être méchant parce qu'il ne veut pas que les gens aient un plus gros zizi que lui. Donc pour moi c'est une véritable raison de tuer des gens. Voilà. Et donc là je vais essayer de faire le Capcom Bar. Donc voilà, je vais vous laisser. En tout cas, donc ce qu'il faut savoir pour le cinéma, c'est que vous pouvez y manger là-bas, hein, carrément. Et ils proposeront de tout, hot dog, hamburger et tout, avec des frites. Et quand vous allez voir un film, donc sachez que vous pouvez choisir la place et vous payez pour le film en entier. Donc c'est-à-dire que même pendant le générique de fin, bah, la lumière ne s'allume pas. Donc en fait, il faut rester jusqu'au générique de fin pour profiter de tout le film pour eux. Donc moi, je suis totalement d'accord avec cette façon de penser, parce que c'est ce que je fais aussi sur Paris. Et là, donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est retrouver le quartier de Kabukicho pour le Capcom Bar. Voilà, je vous laisse.
we're still here. Come on. Ayo, we been through whatever. We weathered the weather. Still on, still strong, man. We in this together. These bonds don't break as time goes on. So put your hands in the air if you feel the sound. Ayo, we been through whatever. We weathered the weather. Still on, still strong, man. We in this together. These bonds don't break as time goes on. Put your hands in the air if you feel the sound. It's been a year, I don't know, maybe it's been two. Since I've been through, crazy what you see your friends do. Been a minute since I kicked it with the super fam crew. Who got my back, cause they know I'm there for them too. Man, can't forget the shit we've been through. We've been bamboozled, but been like bamboo. We got a lot of history in this story. So when we die, I hope it's all our hair at 140. It's been a year, I don't know, maybe it's been two. Or maybe more, I lost count after the first few. I can say that nothing's changed, say it's still the same. But the truth is, only know through status updates. I don't wanna be connected through this wireless connection. But all these beats are rapping got me crossing the Atlantic, the Pacific too. And damn, I'm missing you. Alright, I'm coming through, so let's catch up real soon. Ayo, we been through whatever, we weathered the weather. Still on, still strong, man, we in this together. These bonds don't break as time goes on. So put your hands in the air if you feel the sound. Ayo, we been through whatever, we weathered the weather. Still on, still strong, man, we in this together. These bonds don't break as time goes on. Put your hands in the air if you feel the sound. Come on, my man's I grew up listening to Emma Snoop, Tupac Shakur, Talib, B.I.G. and Ice Cube. Used to call each other up just to share the news. You hear homies punchline, dude, that mess was ooh. Then we gather round the table, throwing simple instrumental and rhyme like nothing mattered except the hunger and the talent, and it didn't. Just the loop and the truth for us, that's hip hop, yeah. And it helped. Bah, vu que j'ai encore 8 minutes devant moi et que j'aurais trop la flemme de parler en rentrant de l'hôtel, donc je me suis pour une station, voilà. Donc j'ai essayé le Cacambar. Donc je vous explique le principe, hein. Donc en fait, vous ne pouvez rester que 2 heures. Il y a des sessions en fait, donc de 19h ou à 21h30. Donc vous restez 2 heures, on vous commande tout ce que vous voulez au début et on vous sert petit à petit, hein, tout le long des 2 heures. Sachez aussi qu'en plus, on vous offre des divertissements et tout ça, on s'occupe vraiment de vous. Tous les trucs sont bien entendu dédiés au Cacambar. Vous pouvez jouer à Nintendo 3DS gratuitement. Et il y a aussi une loterie où vous pouvez gagner plein de petits goodies. Donc j'ai gagné un joli porte-clés, un badge de je ne sais plus quoi. Et on m'a offert à la fin du truc un sous-boc. Donc c'est quand même chaud. Il y avait une seule loterie, une seule. Par session, moi je suis arrivé au milieu de la session. C'est peut-être c'est juste la première fois que j'y vais dans ce Cacambar et j'ai gagné la loterie. Donc, et il n'y avait qu'un seul lot à gagner, enfin plusieurs lots, mais qu'une seule personne qui pouvait tout gagner. Et donc, je suis le grand gagnant de la loterie de Cacambar et ça m'a fait grave plaisir. Donc, tout le monde m'a félicité ou m'a dit que j'avais beaucoup de chance et tout ça. Donc, voilà, donc ça m'a fait plaisir. Donc j'essaie quand même de retrouver mon chemin. Ok, donc là j'ai retrouvé mon chemin. Ensuite, donc voilà, ça m'a permis de faire le quartier de Kabukicho. Comme vous avez pu le constater, franchement c'est 10 fois plus beau la nuit, surtout, puisqu'il y a pas mal de trucs à faire de nuit, mais surtout à cause des néons et tout ça. Ça illumine d'un petit peu partout et franchement c'est vivant, c'est la ville qui ne dort jamais, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui fait... la force du quartier de Shinjuku. Donc ça m'a fait plaisir de me remémorer des souvenirs puisque c'est de là que j'avais fait ma première visite. Donc je vous change un petit peu les décors quand même. Voilà. Et donc voilà, j'ai pris pas mal de renseignements. Bon, bien entendu, je vais pas me répéter, tout le monde le sait, mais c'est la gentillesse des Japonais vous aider à trouver un endroit et tout. Franchement, il y a de quoi faire entre les taxis qui en plus ne coûtent pas si cher que ça, c'est surtout le truc d'entrée qui coûte cher. C'est 130 yens hein, si vous y entrez et tout, mais le temps que ça augmente, en fait, il faut attendre au moins, je dirais, 10 à 15 bonnes minutes de route. Donc voilà, ça vaut le coup quoi. Enfin, surtout si vous êtes perdu. Donc les Japonais, hein, franchement, si déjà, comme je vous l'ai dit, il y a les taxis hein, pour vous aider, mais voilà, j'ai demandé mon chemin à 2-3 personnes. C'est fou comment ils ont fait, même un petit bout de chemin, bon, je dirais pas beaucoup, mais voilà, il y en a même un, j'ai l'impression, je crois qu'il m'a suivi, parce qu'en fait, il s'était trompé
en m'indiquant un mauvais coin à tourner. Et donc il allait pas du tout de mon côté, et pourtant derrière, bah, je l'ai retrouvé, et le gars, c'était pour me redire qu'il s'était trompé, que voilà, et qu'il fallait faire tourner à la 5e ou 6e à droite, enfin voilà. Et donc c'est génial, quoi. C'est les gars, ils jouent leur stalker pour t'aider à vraiment trouver l'endroit où tu vas. Et voilà, et je voulais terminer par un autre fait aussi. Donc je vantais les mérites de Yodobashi Bicamera, et effectivement, donc ils ont un personnel adorable. Ils ont du très très bon matériel, surtout pour des télés ou des trucs comme ça, du gros matériel. Par contre, si vous y allez pour acheter vos DVD ou CD, n'y allez pas là-bas. Parce que oui, le vent a du prix du neuf, contrairement à un trader. Et donc ça pique les yeux. Hein. Par exemple, pour vous donner une idée, le DVD du deuxième film de Anton Hunter, The Last Mission, coûte presque 6 000 yens. Donc ça nous fait du 45-50 euros. Voilà, donc pour un DVD simplement, et avec juste le film. Je crois qu'il y a vite fait des porte-clés de Gon et Kurua, mais 45-50 euros pour un DVD, ça, c'est loin de valoir le coup. Hein. J'ai regardé aussi les DVD de Gaki no Tsukai, que j'ai eu à 300 yens. Et eux, ils le vendaient à 4500 yens. Donc 35 euros à peu près, un petit peu moins peut-être. Donc voilà, c'est vraiment très très cher comme endroit. Donc franchement, privilégier les book-off, les mandarakés et les traders. Voilà, ce sont trois bonnes enseignes qui vendent d'occasion. Donc comme ça vous permet d'acheter le plus possible sans vous ruiner. Voilà, donc c'était mes petits conseils achats. Et j'espère que donc, vous adorerez mes conseils, j'espère que vous adorerez les vidéos. Donc voilà, on continue notre voyage à Tokyo. Je sais plus où je vais demain. Je crois que c'est à Ikebukuro pour le G-World Tokyo. Et genre, si je vais pas échanger pour le parc Ueno et faire une journée où on se repose, parce que se promener dans la ville, c'est énorme, mais c'est fatigant. Alors que se promener dans un parc, boire un coup et tout ça, sans penser à faire du shopping et tout, ça fait du bien de se reposer un petit peu. Donc voilà, Shinjuku, un bon point à ville de nuit, avec une zone touristique à visiter, comme je vous l'ai dit, avec son guide, avec le bureau du gouvernement, où vous pouvez voir d'en haut la tour tout le Japon. Mais aussi, aussi pour son architecture un petit peu spéciale et je pense unique même au Japon, même à Tokyo, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est à faire, c'est du coup. En fait, en gros, je vais faire le parc Ueno. Vous allez voir, c'est magnifique comme endroit. Je vais vous filmer et tout. Et on va faire le zoo Ueno aussi. Donc, je vous montrerai les animaux et tout. Et voilà. Donc, à la place, justement, donc, de faire le G-World Tokyo pour faire encore un parc d'attractions très otaku. Là, j'avais prévu 3 jours d'otaku. Là, je vais me faire un petit peu l'histoire du Japon. M'intéresser un petit peu plus donc à sa verdure. À son histoire, vous allez voir qu'il y a pas mal de statues là-bas, il y a 2-3 musées si je m'en souviens bien aussi. Donc voilà, donc on va essayer de faire pas mal de choses aujourd'hui, tout en essayant de se reposer, d'être plus calme. On va surtout photographier les paysages, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant là-bas.